Salut tout le monde, petit update. Je sais pas quand la vidéo ira sur internet, j'ai un méga retard au niveau édition. Petit update avec la baie moteur, avec les supports de câbles passés correctement, le moteur d'essuie-glace mis en place. J'avais démonté ça histoire de refaire le passage ici, ici ça force moins. Après, il faudra que je teste en faisant tourner le moteur. Mis les bouchons sur quelques-uns de ces trous-là. Là, il m'en faut encore un là-bas au fond. Et j'ai une plaque à lui à faire. Gros taf, c'est ça, avec fermeture des puits qui étaient de chaque côté. Du coup, le tableau de bord qui est mis en place, donc avec les deux épaisseurs. Le support de jauge. Donc soudé en place, il m'en reste un à faire de l'autre côté, puis après à câbler. Tuyau d'extincteur. J'ai posé les harnais vite fait en place. Bon, les sièges sont pas encore accrochés ou quoi que ce soit, mais j'ai mis les rails en dessous. Il me reste la barre là, à plier pour l'autre côté aussi. J'en ai profité pour donc finir le système d'extincteur, le passage de câble de batterie. Les colliers pour l'instant, bon, ils sont là parce que j'ai pas, il me faut une taille plus petite, donc je les passerai un peu mieux. Au niveau du train arrière, quasiment tout est prêt en dessous pour donc tout est les tuyaux sont tous en place, le radiateur. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire sortir le train arrière et donc souder en place les inserts. Boîte aussi, et là du coup ce que j'attaque aujourd'hui c'est de démonter le train avant pour mettre les nouveaux supports. Donc grosso modo je vais démonter les étriers, disques, triangle supérieur reste en place, l'amortisseur dégage, la barre anti-roulis dégage, normalement je dois pouvoir la mettre sur le nouveau support, le berceau moteur va dégager, donc il faudra aussi que je défasse la commande de juste au-dessus, là j'ai le boîtier de direction. Le bras inférieur va dégager et surtout celle-ci, la barre ici, va dégager. Donc, du coup, après j'aurai un support qui viendra se prendre là, passera autour et qui sera soudé, qui me permettra de monter en combiné fileté. Donc voilà, déjà aujourd'hui je vais essayer de commencer par défaire les amorteaux, barre de torsion et. Au moins démonter ça, au moins d'un côté, voir comment je m'en sors. Voilà. Bien. Deux jours plus tard, quasiment trois jours, j'ai fait un côté avec les renforts ici. Donc cette pièce-là, plus cette pièce-là, donc qui passe à travers le châssis. Il y a deux inserts qui passent dans le châssis qu'il faudra que je pointe ensuite pour qu'ils ne bougent plus, qu'ils soient soudés. La durite de frein, il faudra sûrement que je la repasse parce que je vais avoir un support ici de toute façon. Donc ça fera sûrement que je la refasse. La butée position inférieure de suspension, histoire que les roues tombent pas trop basses quand tu lèves la voiture. Donc voilà, j'ai mis un peu tout ça en place. Bon, ça c'est pas peint, mais il y a du WD-40 dessus histoire que ça rouille pas. De toute façon, je le peindrai le jour où on peindra la voiture. Il a fallu que je recoupe un peu ici le renfort que j'avais avant, sinon ça ne passait pas. Voilà, j'ai fait ce côté là, il reste les strut bars qui sont avec le berceau qu'il faudra que je sorte. Donc là on voit les deux torsion bars qui me gênaient, donc qui m'empêchaient de passer mon pédalier, donc ça c'est démonté. Lower control arm, donc bras inférieur, la bar stab, le nouveau berceau n'a pas de support de bar stab, donc il faudra que je vois ce que je fais. Au pire j'en fabriquerai un. Les deux amorteaux que j'avais donc de chez Hotchkiss, donc c'est du Fox en fait. Pied de bar stab, tirant de direction. Donc voilà, j'ai démonté un peu tout ça là de l'avant. Ce côté là, j'ai pas encore, donc on voit tel que c'était. Il faut que je perce un trou ici. Et après, il faudra que je vienne percer ici et là pour donc mettre le nouvel arceau. Là, il faut que je vienne découper ça. C'est ça que de l'autre côté qui vient me gêner en fait pour passer la pièce. Donc voilà, je vais attaquer ça, essayer de faire ça cet après-midi. Et puis après, si j'ai le temps, je verrai pour démonter la tringlerie de direction en dessous là.
sortir le boîtier de direction et après il restera le berceau à sortir pour mettre le nouveau berceau en place. Donc voilà, on va essayer d'avancer un maximum et puis voir ce que ça donne. Voilà, on fait le train avant. Bon, côté droit terminé, passé beaucoup moins de temps que sur le côté gauche. Berceau complet démonté. Donc le but c'est de changer ça. Et les bras là, bar stop et tirant ici. Donc voilà, j'ai démonté tout ça. Pour démonter, il faut que je démonte le boîtier de direction qui est là, qui pendouille ici. Et il a fallu que je démonte le collecteur pour pouvoir démonter le boîtier de direction. Ça, faut pas faire. La chèvre, elle est chez mon pater Juan, donc bout de bois, sangle, etc. Plus cric sous le moteur. C'est pas idéal, mais bon, ça tient quoi. Mais bon, je conseille pas. Voilà, donc maintenant, on va remonter celui-là. Mettre ça en place et puis après je vais pouvoir mettre les nouveaux bras donc qui remplacent celui-là par exemple. Donc voilà, donc je pourrais monter ça, après il me restera à percer ici et puis mettre les supports sur le châssis. Donc voilà, avec un peu de chance dans le week-end c'est fini.